Que Dieu soit béni. May God be blessed. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. C'est toujours un plaisir. It's always a pleasure. Dans la maison de l'Éternel. To be in God's house. Vous savez, on n'a pas besoin que les gens nous disent de prier ou de d'adorer. We don't have to wait for people to tell us to Mais praise or worship. Quand on connaît qui est Dieu, but when we know who God is, dans sa présence, on se laisse conduire. We let ourselves guide. On n'a pas besoin de voir les autres à gauche, à droite. We don't have to look upon other people. On a besoin de réaliser que l'Éternel est là. But et we on just want to realize that God is here. Alléluia. Amen. J'aime bien le psalmiste. I love the book of Psalms. Je suis dans la joie. When say I'm happy. Lorsqu'on dit allons dans when la we say they say let's go to the house of the Lord. Papa Roly n'a pas respecté ce qu'on s'est dit avec lui. Bon, c'est pas grave. Nous voulons procéder d'abord à la bénédiction d'une jolie bébé. We just want to bless a really beautiful baby tonight. Nous invitons Merveille Lelo Bonnier. Si elle peut s'approcher ici ensemble avec ses parents et nous acclamons Dieu. C'est toujours une grâce. It's always a grace. Quand on a un enfant bien-aimé. When we have a child. À présenter devant Dieu. To present in front of the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant Amen. Que les amis avancent? Voilà, mettez-vous ici au milieu. Joli bébé. C'est elle qu'on présente aujourd'hui. Elle s'appelle Merveille Lelo Bomier. Bomier. Hi, baby. Que Dieu soit loué. May God be blessed. Nous sommes contents, ça fait toujours du bien. We are happy. It's always a pleasure. Quand on voit Papa Rolly comme ça. When we saw Papa Rolly like this, que nous savons comment est-ce qu'il a commencé ici. We know how he started. Lui-même, quand il en parle, il était tout le temps à gauche, à droite, il fuyait when partout, il cherchait partout, himself, il tirait when partout. He was trying to find someone all over the place. Mais Dieu, dans son amour, il a fait by grâce God's love, d'être stable aujourd'hui. Today he is stable. Avec une belle femme, maman with a beautiful wife, gagnante. Mama gagnante. Et ils ont trois enfants. So now they have three children. Il y a un texte que j'étais en train de méditer. I have a text in the book of. Aujourd'hui, ce matin. I was reading that this morning. J'ai dit, ok, le texte n'est pas vraiment par rapport à ce que nous faisons d'habitude quand on présente les enfants. It's not according to what we always use when we present the baby. Mais j'ai aimé cela pour rappeler but au I love couple et à tout un chacun just de nous. Remind to all of us and couples. Ce qui se passe souvent et nous négligeons cela, mais c'est la vie. All the time, on voit and l'enfant, we always mais nous savons that. Que nous savons, nous oublions que c'est déjà child, une vie, toute une vie. But we forget that there is already life in that child. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16. We are in the book of John 16. Verset 21, verse 21, c'est Jésus qui répondait à ses disciples. Jesus was the one who was replying il était to his disciples. Il a dit des choses un peu compliquées. It was a little bit complicated. Mais le message était que il le préparait parce qu'il devait déjà les quitter et partir. Because he was about to leave them. Alors, verset 21 dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. La femme, lorsqu'elle enfante, when a woman give birth, éprouve de la tristesse quand c'est l'heure pour accoucher. When she wanna give birth, elle éprouve she la tristesse. Feels sad parce que le temps, l'heure est venue. Because the time has come. Mais lorsqu'elle donne ou elle a donné le jour à l'enfant, but when she give a day to a child, elle ne se souvient plus de la souffrance. She will not remember. The suffering. À cause de la joie. Because of the joy. Qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. The joy that she have aujourd'hui, given nous pouvons dire a man à cause in the world, de la joie. Because of the joy. De ce que merveille est né dans le monde. She is Alléluia. Born in the world. N'est-ce pas vrai que maman gagnante quand elle était
elle était de plus en plus prête pour accoucher. It is true, when she was pregnant, on la voyait really, faible ici. She was getting tired. Et puis on se pose comment on va accoucher. Est-ce qu'on va accoucher normalement ou pas césarienne? We were just wondering how she's gonna give birth. Et puis au même moment, on réfléchit. At the same time, we were les douleurs trying to là, think, Seigneur, ça sera all comment? Those suffering. Mais est-ce que maman Gagnat, jusqu'à aujourd'hui, tu ressens encore cette douleur-là? Are you feeling the same way? Non. C'est la joie aujourd'hui quand today on voit joy, merveille. When we see merveille, yes. Et quand on voit merveille, when c'est déjà une femme. Her, she's already a lady. Ne la voyez pas petite, c'est déjà une femme. She's already a lady. Et pas c'est déjà une femme. Because she's a lady already. Il est important pour nous it de bien encadrer important cette to enfant. Really take care of her. Nous avons la responsabilité en tant qu'église. We have the responsibility as a church. De toujours dire aux parents. Always tell the amener merveille à l'église. To take merveille to church. Comme Christ. Like on l'a amené Jesus, à l'église. They were taking him to church. Nous avons la responsabilité en tant we qu'église have that task de parler à ces enfants de Jésus-Christ. To talk to those children about Jesus. Mais le travail commence d'abord our à la maison. Start at home. C'est pourquoi les parents, so that's why parents prenez soin you need to take de préparer cette femme à être une servante de Dieu. To be a servant of God. Alléluia. Amen. Et nous, nous voulons présenter merveille à Dieu. So we want to present merveille et dire à Dieu, God. Seigneur, nous and te l'offrons. God, we want to offer you this parce que lady c'est un cadeau qui vient de because toi. It's a gift that came from you. Est-ce qu'on peut, nous tous, can we all lever nos mains lift ici our hands pendant que nous voulons prier pour as cette you want to pray jolie femme merveille. For this beautiful lady. J'ai la grâce de porter merveille. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour elle. We want to pray for her. Seigneur notre Dieu. Father, our God. Au devant de toi, in front of you, we bring cette belle créature this beautiful creature in the name of Merveille. Elle est un don venant de toi. She's a gift came from you. Et merci parce que tu nous as bénis au travers d'elle. Father, because you blessed us through her. Merci parce que tu as béni la famille Lelo au travers de Merveille. Thank you because you blessed this family. Et merci de savoir que Merveille, elle est ta servante. We know that she is your servant. Nous la consacrons aujourd'hui à we toi, notre Dieu. We are consecrated to you today. Oh, nous prions comme cela we a été le cas pour notre Seigneur. Just like Jesus. La Bible dit, Seigneur, qu'on l'amena au Dieu à l'église. They took him to church. Et Seigneur, merci parce que Lord, de la même manière, Merveille est venue dans ta maison. Merveille is nous in your house. Que cet we proclaim that this child devant is going to grow devant God les hommes and men en sagesse, and wisdom, en grâce and grace et en statue. And statues. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Seigneur, Jesus. Personne ne pourra no nuire la vie de cet enfant. Will destroy the life personne of this girl. Ne pourra l'éloigner de no ta voix. No one will take away from Seigneur, your que way. Ce soit ses parents ou qui que ce soit. Either your personne parents. N'aura le pouvoir no one will have the power in front parce of this child. Because when he was in his mom's toi, womb, tu l'as connu, you knew her. Et tu l'as préparé pour and des you grandes prepared choses. Her for big things. Nous bénissons cet enfant, we Seigneur, bless this child. Et nous proclamons and we Dieu proclaim que cet enfant that this sera child une bénédiction is pour toi be dans a blessing ce monde. For you in this world, aucun signe de l'ennemi ne pourra la pourchasser. No enemy signs will be parce que le sang of her. De Jésus, because Seigneur, the blood of Jesus en sa faveur. Is gonna cry for bénis her. Ses parents, oh Dieu. Bless her parents. Donne la sagesse à ses parents. Give wisdom. Afin que chaque jour, Seigneur, for them every day to inspire à her et à te servir. To know you and to serve you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, nous avons ainsi prié avec we have prayed with faith et action de and grâce. Thanksgiving. Amen. 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 Voilà, nous vous présentons Merveille. We present you Merveille. Membre de as a member de foi, of this church. N'étonnez pas dans peu de temps don't de la be surprised voir ici to see her chanter pour Dieu. To Alleluia. Sing for God. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Voilà, on acclame Dieu pendant que les parents seront de faire que Dieu vous bénisse. God bless you. Béni sois-tu notre Dieu encore pour Father, ce moment. Be blessed for this time. Ta parole, c'est notre lumière. Your word is our light. Ta parole nous fait du bien. Your word do good to us. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Let our hearts be ready to listen to you. Pas seulement écouter, not only listening, mais en mettre en pratique but ta parole. Also to practice. Your word, Saint-Esprit, Holy Spirit, dépose maintenant dans les cœurs de tout un chacun.
put in everyone's heart. Cette soif. That thirst. De te connaître. To know you. Cette soif. That thirst. De marcher conforme à ta to volonté. To work according to your word. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Les amis, nous vous bénissons. We bless you, friends. Si tu peux poser la question à celui ou celle qui est à tes côtés. If you can ask a question to the one who is beside you. Ta langue, comment est-ce qu'elle a été au courant de la semaine? How was your tongue through this week? Demande ça. Ask la that. Elle était comment au courant de la semaine? Through this week. How was your tongue? Est-ce que ta langue a béni ou ta langue a maudit? Did your tongue bless or curse? Est-ce que ta langue a insulté ou ta langue a dit de bonnes paroles pour les gens? Or say good things to others. Est-ce que ta langue était négative, tu voyais tout le temps de mauvaises choses, ou ta langue était positive? Or your tongue was positive. La langue. The tongue. Un petit membre. A little member. Mais c'est ce membre que Dieu va attendre pour le jugement. It's the one that God is waiting for us in judgment. Nous avons parlé, bien aimé, de maladie de la langue. We talk about the disease of the tongue. Nous avons parlé de propos excessifs. We talk about excessive words. Globalement, trop parler. Talk too much. Le monde même dit trop parler peut. The world sometimes say when you're talking too much, you might die. Même devant la face de Dieu, trop parler aussi, bien aimé. Ça tue de foi. Dieu, ça empêche Dieu à écouter. That can even stop God of listening. Mais s'il y a des choses qu'on peut parler à Dieu à tout moment sans se fatiguer, talk to God without c'est ces paroles d'adoration, bien aimé. It's a worship word. C'est ces paroles qui touchent les cœurs de Dieu. Ça, Dieu aime. God's heart. Mais les autres là, bien aimé, ce sont des bruits. Some other words, it's just like really noise in front of God. Nous avons parlé aussi de vaines paroles. We talk about vain words. De vaines paroles. Et Dieu va nous juger en fonction de cela. God will judge us according to that. Les injures. Insults. Ça fait partie des injures. Nous avons parlé aussi de vaines paroles lorsque on ne tient pas notre engagement. We also say when we don't really keep our engagement. Tu as fait une promesse, tu as fait une alliance you à ta femme, tu as dit jusqu'à la fin. Until the end. Mais voilà, c'est la même personne but it's the same qui est en train de décoller de faire autre chose. Is doing something else. In words. Nous avons parlé aussi des cancans, la médisance we et also talk about la calomnie. Nous avons parlé aussi du mensonge comme quatrième maladie. Lie. Le mensonge, quatrième maladie. The fourth disease, a lie. Et nous avons parlé aussi de la flatterie comme la cinquième maladie. We also talk about flattery, the fifth disease. Et la sixième, c'était le parole légère. And six was the light word. Le parole légère. C'est bizarre, les gens aiment souvent le parole légère. It's really bizarre, people use light word. Et on a vu même l'exemple de Jephthé qui il a joué avec le feu. We saw a man in the Bible who was playing with the fire. De paroles légères, il promet à Dieu, Seigneur, he si tu me donnes la victoire. To God, if you give me victory. La première personne qui va sortir. The first person who will je vais te l'offrir. Me, il a dit ça comme ça. Mais sans savoir, il savait he pas ce qu'il attendait. The world was waiting for et puis him. Dieu donne la victoire. And God give them victory. La première qui va sortir. The first person will come out. Aidez-moi à ouvrir la porte. Il y a quelqu'un dehors. There is someone il y a des gens qui sont place. Dehors. La première personne, the first person who c'est came to hug him, sa fille unique. That was the only daughter. Sa fille unique. Attention avec des paroles légères devant Dieu. Be careful with those light words. Father, if you bless me, I will do this to you. Mais après, on ne fait pas. But after that, we don't do anything. Et nous avons vu aussi quelqu'un comme Pierre. And we saw also someone comment est-ce like qu'il Peter. Fait des incantations, il jure ensemble, jamais, until the end. Mais c'était la première. It was the person, the first one, Jésus-Christ. To deny Jesus. Attention be avec careful les paroles légères. With those kind of words. Vous êtes là? Are you here? Alors, ce soir, nous voulons parler de raisons pour lesquelles vous avez une langue.
We want to talk about a reason why we have a tongue. Raison pour laquelle nous avons la langue. C'est vrai, si je posais la question, quelle est la raison, quelles sont les raisons? What are those reasons? La plupart va dire la raison, c'est parce que Dieu, au travers de la langue, nous pouvons nous convertir avec les gens, n'est-ce pas? We can talk with people. Si vous m'écoutez, bien-aimé, c'est parce que ma langue est en train de faire un travail. Because my tongue is doing the work. On peut dire c'est ça la raison. We might say this is a reason. La raison, c'est que je suis libre de parler, je suis libre de tout faire au travers de ma langue. Through my tongue. Mais bien-aimé, Dieu, lorsqu'il a créé la langue, when God created a tongue, il avait dans sa pensée des raisons. In his thought, he had reasons. Je dois mettre la langue dans la bouche de telle personne. Somebody's tongue, mouth. Et ce sont ces raisons que nous voulons comprendre. Those are kind of reasons that we want to try to understand. Il y a d'autres raisons secondaires. We have some other reason, mais il y a des raisons principales. But we have a principal. Et ce sont ces raisons principales que nous négligeons, bien-aimés. Nous nous attachons plus aux raisons secondaires. We attach ourselves. Mais l'essentiel de la langue dans nos bouches. Nous méconnaissons cela. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, let me tell you, quand vous ne faites pas ce que Dieu a consigné comme raison pour la langue, has given as a reason for the tongue, ce que vous êtes en train d'utiliser la langue means that you are using contrairement, in contrary way. Quand cela n'obéit pas à la volonté de Dieu, if that doesn't obey to God's c'est que l'utilisation n'est pas bonne. But the use of the tongue is not good. Je prends un exemple. Les I'm just going to give you an example. Vous savez, les mamans dans leur cuisine, mothers in elles the savent kitchen, placer leurs histoires. They know where to put their et elles kids. Savent l'utilisation they de, know de chaque how chose. To use all those things in quand the kitchen. Toi, tu viens prendre, bien-aimé, so when you un come mixer and you y a maman, ou à celle-là, pour n'a qu'au balou ça, bah, oignon, bah, nini, bah, comme le sautouana. Yo zui ango siko peut-être ozui ango po na ba aselani ozui ango po olambela ngo maki or maybe you want to use a mixer to cook an egg. Donc tu es en train de mal utiliser la chose. You are not using it the way it's supposed to. Et quand on utilise mal la chose, when you don't use il y a it des conséquences. There is consequence. On détruit la chose. We are destroying the et thing. Et puis au même moment, on est en train de gaspiller ce qu'on est en train de faire. We also just vous êtes là? Spending what we have. Donc, bien aimé dans le Seigneur, beloved, nous n'appliquons pas la langue, ce que nous détruisons la chose, means we are destroying it. Et puis au même moment, and the same time, notre temps est perdu et il y aura des conséquences. We are destroying what is the way that we alors allons-y, le temps fait défaut. Allons-y pour comprendre le raison. Let us just go and try to find the reason. Je vais procéder à deux textes qui seront un peu contradictoires. We're going to use two texts. It's mais ces deux textes avec le jeu spirituel va nous amener à comprendre quelque but chose de caché. Spiritual eyes who can understand what is hidden. Le premier texte est Psaume 69. The first one is Psalm 69. Non, sorry, Psaume 16. Psalm 16. Psaume 16. À partir du verset 8, on y va un peu vite. Hein? Psaume 16, la Bible dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est clair, n'est-ce pas? Yeah. Le verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie. La partie suivante, qu'est-ce qu'on a écrit dans ta Bible? Pardon? Ok, la version des Rolis, on a écrit mon âme. La version de mon mari Noël, on a écrit mon esprit. Qui a encore une autre version? Il n'y a que deux versions là. My heart, that voice says here. Alors, gardez bien la partie là de mon esprit, mon âme. Il y a d'autres versions, on parle même mes danses sont dans l'allégresse ou dans la joie. Alors, je veux vous lire une autre version.
I'm going to read another version. C'est la version King James. Tu vas lire ça là-bas. Ça, c'est quelle version? Ok, on pourra lire. Voici, c'est la même chose. Alors, la version King James, mais c'est traduit en français. J'ai l'Éternel constamment devant moi, parce qu'il est à ma droite. Je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est heureux et ma gloire se réjouit. Ma chair reposera aussi en espérance. Allez-y, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Here they said, I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My tongue rejoices. My body also will rest secure. Okay, c'est toi, on a dit, my tongue. My tongue. My tongue. Yeah. Et dans la joie. Dans la version King James, je ne sais pas quelle est la version King James ici. Dans la version King James, on parle de ma gloire se réjouit. Là, on dit ma langue se réjouit. Vous êtes là? Alors, allons-y lire Acte 2, 25 à 26. Read Acte 2. Vous allez comprendre que ce n'est pas par hasard. You will understand. Acte 2, 25 à 26. La Bible dit ceci. Car David dit de lui. Là, c'est Paul maintenant qui parle. Il va répéter ce que David a dit dans les livres des psaumes 16:8-9. David said in the book of Psalms. Alors, Pierre dit ceci. Plutôt, c'est Pierre, c'est pas Paul. Pierre dit ceci. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, écoutez bien, aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans la l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Ma langue est dans la l'allégresse. Comprenez bien, les amis. Le même parole. Same word. Mais il y a un petit changement. There's a little bit of change. Lorsque bien-aimé le psalmiste parlait, when we were listening to the book of à la place de la langue dans la version King James, in the place of tongue, il parle King de la gloire. Ma gloire se réjouit. Glory. Ma gloire se réjouit. My glory rejoices. Des années après. After years, le Saint-Esprit va descendre. The Holy Spirit will walk Paul out. Est devant la foule, il parlait. Paul will be talking. Et il rappelait ce que David avait dit. And he will remind them what David mais said. Mais quand lui bien-aimé il parle, but when he's talking, à la place de ma gloire se réjouit, Paul glory, parle de la langue qui se réjouit. He's talking about the tongue that rejoices. Est-ce que c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. It's not a mistake. C'était là maintenant la révélation de ce que le psalmiste avait dit. That was the revelation of mais God Paul, maintenant bien-aimé dans le Seigneur, Paul, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, after receiving the baptism of the Holy ils Spirit, avaient des langues de feu. They have the tongue ils sont of conscients fire. Que leur so langue, bien-aimé dans le Seigneur, était ce qui était la bouche de Dieu. Leur langue, c'était was, la gloire pour Dieu. C'est pourquoi tout ce qui sortait de leur bouche, so everything that was coming c'était through des their choses mouth, merveilleuses. It was the wonderful thing. Parce que leur langue, because their tongue, c'est leur gloire. It was their glory. La gloire pour Dieu. It was the glory of God. Bien-aimé dans le Seigneur, so beloved God, je voudrais que chacun de nous comprenne. I want you all to understand que nos langues, our tongues, c'est la gloire de Dieu. It's God's glory. Your tongue. Des fois, on joue avec la langue. Sometimes we play with our mais tongue. Nous méconnaissons que la langue c'est la gloire, le dépôt de Dieu, c'est la gloire de Dieu. It's God's glory. Et comme c'est la gloire de Dieu, because it's God's glory, ta langue bien-aimée, your tongue, c'est aussi ta gloire. It's also your glory.
C'est pourquoi ne joue pas avec ta langue. That's why we're asking you not to ne play permet with pas your ta langue, bien-aimé, de dire n'importe don't quoi. Don't let your tongue say anything. Parce que ta langue, c'est ta gloire. Because your tongue is your glory. Toute ta vie, bien-aimé, est résumée à ta langue. It resumed by your tongue. C'est ta langue maudite. Ta vie curse, sera maudite. Your life will si ta langue, bien-aimé, est tout en train de complaindre, est tout en train de dire des choses, bien-aimé, Coca-Cola, ta always vie va ressembler à ce que ta langue est en train de dire. Like what your tongue is saying. Les amis, so, friends, la première raison de nos langues, the first reason of our tongue, c'est pour la gloire de Dieu. It's for God's glory. C'est la gloire de Dieu. It's God's glory. Ta langue, c'est your plus tongue, que ta figure. It's more than your figure. Ici là, c'est pour Dieu, la gloire de Dieu. It's for God. Philippiens 2, verset 11 nous dit ceci. Philippiens 2, 11. Philippiens 2, 11. La Bible dit ceci. This is what the Bible says. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est qui? Et Seigneur. Toute langue ici, ce n'est pas bien aimé langue comme lingala, comme français, comme Spanish, non. Tongue here, it's not the language. Toute langue ici, every tongue c'est here, la langue de Papa Alphonse. It's Papa Alphonse. C'est tongue. La langue d'Ordi. It's Ordi's tongue. C'est la langue de Merveille. It's Merveille's tongue. Toute langue ici, c'est la every langue tongue, de nous tous ici, bien-aimés. All of us tongue. Toutes nos langues doivent faire quoi? All our tongues doivent faire quoi? Need to confess. Confesser quoi? That Jesus Christ is Lord. Christ est Seigneur. Bien-aimé, c'est cette langue-là, tu ne l'utilises pas pour confesser que Christ est Seigneur. If you don't use your tongue to confess c'est que that Christ tu es en train Lord, de pécher contre Dieu. Means you are sinning against parce que God, la raison de ta langue, the reason of your tongue, c'est pour glorifier Dieu. To glorify God. C'est pour proclamer qu'il if est Seigneur. That is Lord. Ta langue doit toujours déclarer Jésus-Christ est Seigneur. Lord, Jesus is même Lord, quand les choses ne marchent if pas, ta langue confesse work, que Jésus-Christ, il est Dieu, confess, Seigneur, au-dessus de mes problèmes. Ta langue n'est pas là pour se lamenter. Your tongue is not there to complain. C'est pourquoi, bien-aimé, les livres de lamentation, the book of lamentation, Dieu châtié n'était pas content quand God was not les enfants happy d'Israël se lamentaient. The people of Israel were just complaining. Quand tu te lamentes, quand tu pleures, quand tu dis des choses au travers de ta langue, bien-aimé, qui est contraire tongue, à l'utilisation, is what is like Dieu n'est pas content. God is parce que ta langue, c'est la gloire because de Dieu. Your tongue is God's glory. Elle doit confesser that qu'il est Seigneur. Elle doit God confesser qu'il and est Dieu. Elle doit God confesser que c'est lui qui maîtrise toutes les choses. Elle doit confesser que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Elle doit confesser que c'est lui qui ramasse de la boue, il élève. Il fait un soir parmi les grands de ce monde. Elle doit confesser que Dieu ne dort pas, il connaît, il voit tout. Ta langue doit donner gloire à Dieu. Tongue need to give glory to God. Toute langue. Every tongue. Est-ce que ta langue donne gloire à Dieu? Do your tongue give glory to God? Il y a des gens quand ils se réveillent, la première des choses, leur langue. Amen. Getting up in the morning. Donne gloire à Dieu. Que ta langue parle. Que ta langue bien-aimée glorifie Dieu. Que ta langue bien-aimée soit un instrument qui honore Dieu. Glorify God. Ta gloire est là. Your glory is there. Romains 14, verset 11. Romains 14. Donc, première raison, the first nos langues glorifient Dieu. Our tongue c'est pour la gloire de Dieu God, et c'est notre gloire aussi. It's also our glory. Romains 14, 11, la Bible dit ceci. Romains 14, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue fera quoi? Confesse. Hein? Confesse. Et au Salanini, donnera gloire à qui? Écoutez le verset 12. Quand tu le, écoutez bien le verset 12 maintenant. Ça dit quoi? Each of us will give an si tu utilises ta langue là, non pas pour donner gloire à Dieu. If you don't use your tongue to give glory le verset to God, 12 déjà te prévient. The verse 12 is preventing écoutez, you. Je me répète encore.
I'm going to repeat myself. Si bien-aimé de ta langue, if from your tongue, tu ne donnes pas gloire à Dieu, don't give glory to God. Le verset 12 te prévient déjà. The verse 12 is preventing. Qu'est-ce qui va se passer? What's going to happen? Ainsi chacun de nous so then, rendra compte à Dieu pour lui-même. Papa, tu ne rendras pas compte à Dieu pour maman. You will not give an account to God for. Je sais que vous êtes marié, vous êtes devenu un. Mais en termes de langue, papa Michel, ta langue c'est ta langue, c'est pas la langue your de maman. Your tongue is for yourself. It's not for your wife. La langue de maman Irène, c'est pas la langue de papa Michel. Elle, c'est sa langue, c'est sa propre langue. Chacune de nos langues bien-aimées devant Dieu va rendre compte. Will give account. Pourquoi? Why? Parce que l'utilisation première because de nos langues, use, c'est pour donner gloire à Dieu. The first use of our tongue is to give glory. Est-ce to que ta langue donne gloire à Dieu? Do your tongue give glory quand to tu God? Parles, bien-aimé, est-ce que when les gens peuvent sentir vraiment the Dieu dans ta langue? Can really hear God from your tongue? La Bible dit, malamu kutuna moto afanda. It's better for a man. Na ndaku moko ya mukie. To live in a small house. And to be in a really house that was like. Il y a des femmes quand elles parlent depuis le matin, sa langue se met au lelo na kotumba kotumba. So we have women when they talk, sometimes you don't feel like living in that house. Il y a des mamans quand elles se réveillent déjà. We saw some of elles commencent avec sa langue. Quand kamaloba mabe, quand kamakama mabe. Est-ce que ta langue donne gloire à Dieu? The tongue give glory to God. It's not only moms, dads also. Est-ce que ta langue donne gloire à Dieu? Do your tongue give glory to God? Donc, bien-aimé dans le Seigneur. So beloved. Chacun de nous doit comprendre. Each all of us need to understand. Nos langues, c'est pour our Dieu. Our tongue is for God. C'est pour Dieu. It's for God. Ne sois pas ce papa bien-aimé, banatongo etani. Don't be that father when morning starts. Banatongo etani. Yo, yo. Okay. Start yelling. Yo, yo. Start yelling. Yo, hey. Blue mo, ebele te bende disco. Mais salite bende di ka unta ko musa ka bizarre boy. Yeah, always yelling. Yo, hey, kuna yo. Dès le matin, à midi, morning, les après-midi, les soirs. All day. Savez quand les enfants donnent à leurs parents des noms, ils donnent ça par rapport à ce qu'ils sont. When children give the parents name, it's according to what they mean. C'est papa là comme shérif, shérif. Shérif est là. Sheriff is here. Donc ce que les enfants voient de leur père, bah colère en bas. What they saw from the father. Non, nos langues doivent donner gloire à Dieu. Our tongues. Le matin, que les gens qui sont avec toi se sentent que non réellement ta langue donne gloire à Dieu. À midi, qu'on sent que ta langue donne gloire à Dieu. Papa, les après-midi, que les gens ressentent que ta langue donne gloire à Dieu en tout temps. Your tongue is giving glory to God all the time. La chose profonde et importante. The really important thing. Est que notre langue est notre gloire. That our tongue is our glory. La seule raison d'être de la langue. To be of the tongue. Et qu'avec nous puissions glorifier Dieu. For us to use it to glorify God. Voilà pourquoi elle devient notre gloire. That's why that tongue become our glory. Deuxième raison, bien-aimé. The second reason. C'est Cantique des Cantiques. It's in the book of Psalms. Je veux prévenir, bien-aimé. Quand on lit Cantique des Cantiques, when we're reading in the book of Psalms, on pense souvent que c'est seulement pour les amoureux de ce monde. We think that it's only for lovers. Ok, c'est bon si tu veux le faire ainsi, tant mieux. If you want to do it that way, it's okay. Mais quand nous lisons Cantique des Cantiques, but when we leave Song of Psalms, premièrement, bien-aimé, the first c'est pour ce mariage, cet amour, it's for that love entre l'époux et l'épouse, the spouses. L'époux, c'est Jésus-Christ. The spouse is Jesus. L'épouse, c'est l'église. And the other one is the church. Donc Cantique des Cantiques, bien-aimés. But Song of Songs. Ne concerne pas seulement ceux qui sont mariés. It's not only for the married couple. Mais Cantique des Cantiques nous concerne nous tous ici présents. Parce que nous sommes l'épouse. Because we are spouse de Jésus-Christ. Of Jesus Christ. Vous êtes là? Are you here? Alors nous voulons voir maintenant qu'est-ce qui se passe, bien-aimés, quand on lit Cantique par rapport à la langue. We wanna see qu'est-ce what qui se passe? Je disais Cantique
des cantiques. I will sing songs. C'est rare les gens de lire ces textes. Vous êtes bénis, vous qui lisez cela aujourd'hui. Peut-être que depuis que l'année a commencé, tu n'as jamais lu cantique. Donc c'est seulement aujourd'hui. Yeah, maybe. Cantique 4. Psalm of Psalms. Le verset 11. Verse 11. Écoutez le verset 11. Listen to what 11 says. La Bible dit ceci. Tes lèvres distillent quoi? Le miel. Et puis il dit, ma fiancée. Tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée. Je suis en train de parler de l'époux Christ et de l'épouse qui est l'église. N'est-ce pas? I'm talking about spouses, so donc, Jesus, il ne faut pas disperser vos pensées. Restez dans le contexte que je suis en train de vous parler ici. Stay in the context. De l'époux qui est Jésus-Christ et Jesus, de l'épouse qui est l'église. And the donc, n'allez pas loin. Alors, go far. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. As the honeycomb, et puis God, il dit, il y a sous ta langue, quoi? Du miel et du... Il y a sous ta langue, tongue, sous ta langue. Under your tongue. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, nasalo le monayo? Under your tongue, can you say est-ce that que miel est ali? Do you have honey? Est-ce que milik est nasalo le monayo? Do you have milk under your tongue? Bien aimé dans le Seigneur. Beloved. Alors que quand nous parlons du miel et du lait. When we're talking about milk and honey. La première pensée qui vient, qui monte dans mon cœur, dans mon esprit, mind, c'est quoi? Hein? Quand on parle du lait, du miel, so when we're talking about milk and hein? Honey, what comes on se souvient mind? De quoi? La terre promise. Voilà, merci maman. On se souvient directement de la terre promise. C'est là où Dieu a promis les enfants d'Israël, that's a promis Abraham, Abraham et sa suite and all the de leur donner la terre promise. Il dit, là coulera quoi? Du and miel et du lait. Papa, la terre promise que nous réclamons toujours, ça, mais c'est la terre promise, la terre promise, c'est dans ta langue. It's in your tongue. Dieu cherche le miel. God is looking for honey. Dieu cherche le lait qui peut couler de ta langue. That can come from your tongue. Vous savez, les amis, quand on parle du lait, le lait, ça fait du bien. Le lait. It is good le to lait. People. Quand tu bois le lait, when you ça fait drink du milk, bien. It is good to quand you. Tu prends le miel, tu me mets encore. Alléluia. Tu peux parler en langue des choses parce que le miel, ça fait du bien. That's good to you. Pourquoi est-ce qu'on utilise le miel et le lait? Why do we use are you using pourquoi est-ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël le lait, why God le lait, le miel au Cana? Milk and honey in the promised land. C'est pour que ces choses servent à Dieu. For those things to serve to God. C'est pour que ces choses servent aussi à autrui. And also use that for others. Est-ce que de ta bouche, les from gens peuvent réellement recueillir le miel can ou le lait? People can get milk or honey from your tongue? Est-ce que quand toi tu parles, so when hein, you're talking, est-ce que miel et bimaka, toi est-ce que l'autokonde mouté bimaka? Can we have honey or something else? Vous savez, quand tu es en face de quelqu'un qui a pris le lotoko, you tu know, fouilles directement, ça sent mauvais. Is drunk, it smells bad. Mais que, quand tu es à côté de quelqu'un qui est de sa bouche bien aimée, but when you are close to someone, ça sent bien, ça sort de bonnes choses. Tu as toujours envie d'être you à côté really de la personne. Be close to that person. Parce que de sa bouche, ça because sort de bonnes choses. Ça fait du bien. And that's good. Est-ce que du miel sort de ta bouche? Do honey comes from your mouth. They just know you when that Papo, mom start to talk or that man start to talk. We cannot be close to those persons. Je voudrais prendre deux minutes pour parler de marié. I just want to talk about married people in two minutes. Est-ce que le miel sort de vos bouches? Do honey comes from your mouth? Est-ce que le lait sort vraiment de vos bouches? Comes from your mouth. Quand déjà le matin, au sopisi mama kanda lobile maloba ma be. In the morning,
you just make your wife mad in the morning. Qu'est-ce que tu vas donner la nuit? What are you going to give at night? Les laits et le miel doivent sortir de nos bouches. Milk and honey need to come from our mouth. Paroles. Good words. Des paroles qui encouragent. The word that encourage. Des paroles qui font du bien. The word that does good. Et on regarde pas de mon soir, honey. That's why you see other people calling honey or sweet. Tu fais rien parce que tu mens pas Dieu. You can lie to people but not God. Le miel. Honey. Donc deuxième raison, bien-aimés. A second reason. Nos bouches, our tongues doivent servir Dieu. Need to serve God. Doivent servir les autres. And serve others. On doit donner le miel aux autres. We have to give honey to On others. On doit donner le lait aux autres. And also milk. Ah. Et changer n'engena komona. To change the way he says things. Parce que bien aimé nos bouches, nos langues doivent servir Dieu. Need to serve God. On doit donner le miel, le lait aux gens. To people. Vous êtes là? Are you here? Troisième raison. The third reason. Psaume 119. Psalm 119. Psaume 119. Les mariés, quand vous serez de retour, développez ces textes. Demande à papa, est-ce que toi tu me donnes vraiment le miel? I want you to ask your husband, est-ce que tu me donnes vraiment le lait? Do you really give me honey? Donc ne laisse pas papa dormir ce soir sans poser cette question. Don't let your husband sleep. Alors tonight. Papa, prends courage aussi de poser la question. Maman, est-ce que toi tu me donnes vraiment le lait et le miel? Dad, ask mom the same question. Psaume 119. Psalm 119. On commence à partir du verset 171. From the verse la Bible dit que mes lèvres publient ta louange. Bibebou nange salanini et publié nini louange pour nayo. Psaume 119 à partir du verset 171. Que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts. La raison bien-aimé de publier la louange c'est parce que on a la connaissance, God. On a la parole de Dieu. It's because we know God, we know His que word. Que mes lèvres publient ta louange. Mais ce qui m'amène à lire ce texte de psaume, c'est le verset 172 qui dit ceci. Que ma langue chante ta parole. Nini, que ma langue fasse quoi? Sing of your word. Les amis, ne soyez pas distraits. Don't be distracted. Ne regardez pas les enfants, laissez les enfants. Vous écoutez ce que moi je suis en train de dire. Listen what I'm saying. Que ma langue chante ta parole. Sing of your word. Le lemo na esala nini? Eyemba nini? Let your tongue. Maloba na nzambe. Sing God's word. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième raison de nos langues, c'est que Dieu veut voir sortir des paroles de louange au travers de nos langues. Je veux entendre ta langue chanter pour lui. Ta langue chanter pour lui. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas être enfant de Dieu. We cannot be a child of God. Na lole monayo. In your tongue. Ozo yemba pona nzambe. You're singing et for au God. Même moment, tu chantes pour le monde. And also you're singing for the world. Tu ne peux pas utiliser ta langue et pour Dieu et pour le diable. For God and also nos for the langues, devil. C'est pour chanter pour Our Dieu. Tongue is to sing for God. Nos langues, dis-le-moi, c'est pour glorifier Dieu. It's
For us to glorify God. Dieu ne permet pas à tout enfant de God Dieu cannot let a child, hein, his child, de chanter pour autrui. To sing for adult, oh, pastor, adult. Oh, pastor, it's not bad. It's a song. Est-ce que ces chants-là donnent gloire à Dieu? That song give glory to God. Est-ce que ces chants-là, bien-aimés, that song contient la parole de Dieu? Have the word of God in it. Parce qu'on dit ici que ma langue chante ta parole. Here they say, the sing, donc en the réalité, bien-aimés, les cantiques, les chansons que nous chantons doivent avoir comme sous-bassement la parole de Dieu. Have as a base the même word of si God. On te dit que mais que tu sens qu'il n'y a pas un sous-bassement de la profondeur de la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de chanter ces chants-là. You don't have to sing it. Hier, yesterday, on était en train d'écouter la musique là où nous étions. We were listening to music where we were. Et puis on parlait comment est-ce qu'aujourd'hui, so we was just saying that la musique d'aujourd'hui entre guillemets chrétien, Christian songs, mais comment on dit il y a pas un bois qui est là. It become like les gens pouvaient dire au moins dans ces mots, et ça là on va avoir qui un bois qui est là. Au moins dans ces mots, et ça là encore pour la bruit. Donc en réalité, bien aimé dans le Seigneur, des cantiques, des chants que nous pensons être de Dieu, mais non pas comme fondement sous-bassement la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, that's why today, les cantiques d'aujourd'hui today's songs n'amènent pas les gens à la conversion. It's not pushing people to really repent. Les cantiques d'aujourd'hui, today's songs, ça fait des chrétiens des professionnels de danser ici à la hanche. It's just pushing Christian to au moins dance. Même au moins même n'a pas chrétien ça pas comme l'église. You might see people here putting les cantiques de Jésus c'est plus pour la hanche. To really dance. Et la hanche, il y a pas les choses de Dieu, c'est la hanche. There's nothing. La hanche, c'est pour le monde. Quand on parle de la hanche, on parle when de tout ce qui est hip, lié au sexe. Donc toutes les chansons, quand vous voyez les gens danser là, faire des histoires là, dancing, donc ça donne gloire ici aux choses de ce monde. It's giving glory to the world. Les cantiques d'aujourd'hui, today's on ne retrouve pas, bien aimé, où sont les paroles de Dieu. We don't found parce que s'il y avait les paroles de Dieu, ces cantiques devaient amener les gens à la conversion. Those songs might push people to ces cantiques allaient amener les gens à craindre encore Dieu. To fear God. Si cela était vrai, bien-aimé, if it was true, on devait avoir des témoignages à l'église chaque dimanche. We might have testimony des every gens Sunday, qui se convertissent. Those people repent themselves. On n'a plus de tels témoignages à l'église. We don't have those kind quand c'est les témoignages, when ce sont les témoignages de ce monde. It's just the world ce sont les témoignages. Oh, ça m'a pissé dans la voiture. Na lela ki panza me kola yo kilo sambo na sominda kula sominda ku na lela ki panza ma pisinga mo sala na lela ki panza. Voilà les témoignages qui font plaisir aux gens. Mais le témoignage qui donne gloire à Dieu. That give glory to God. Les témoignages oh isaka esengo eso puncha 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 esengo. Car la Bible dit, lorsque bien aimé quelqu'un se convertit ici, qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a de la joie. Les anges sautent. Les anges sont dans la joie. Parce que quelqu'un s'est converti sur la terre. De tels cantiques, il n'y a pas. We don't have those kind of songs anymore. Est-ce que ta bouche, bien-aimée, chante pour Dieu? Sing for God. Donne gloire à Dieu. Or give glory to God. Est-ce que ta bouche, bien-aimée, les gens peuvent écouter des bonnes paroles sortir de toi? Good word coming from that. Allons-y encore. Like je vais dire quelque chose. I'm going to tell you something. C'est anormal d'être enfant de Dieu. It's abnormal being a child of et God. Au courant de la journée, and il n'y a aucune day, parole de Dieu sortie de ta bouche. You didn't even use a word of God or pourquoi je le dis? Pronounce a word of God. Parce que bien aimé, excellent enfant de Dieu, love of God, nos langues, our tongues, c'est pour servir Dieu. It's to serve God. Nos langues, our c'est tongues, pour que les gens connaissent Dieu au travers de nous. It's for people to know God through us. C'était ce que je veux lire. Je veux lire ça encore dans la quatrième raison. Mais laissez-moi lire cela pour la troisième raison. So I'm gonna read this for the Josué qui reason. Connaît Josué 1:8. Do you know Joshua first? Qui connaît Josué 1:8?
Vous connaissez, n'est-ce pas? Do you know that verse? La Bible dit ceci. This is what the Bible que ce livre de la loi, mais ce loi n'est pas de tes yeux, n'est-ce pas? Hein? Non, ce n'est pas la bouche. Lisez bien votre Bible. C'est une erreur. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? La Bible dit quoi? The Bible says what? Hein? Ah, donc, pour ça, la 30e, comment on s'en met le Bénin? Non, 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 non. C'est pas vrai. Ok, qui a sa Bible ici à Gotangela Bissongo? Can someone read that for us? Les amis, friends, la Bible dit ceci. The Bible says. Que ce livre de la loi. Mais ce loi n'est point de ta. Your tongue. De ta bouche. N'est-ce pas? Yes. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une erreur? Il fallait que Dieu dise que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Vous êtes là? The Bible was wrong. Mais pourquoi Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Word of God not to be quand away vous lisez from la your mouth. Suite, when you're reading on what vous comes dit, bien aimé, que vous devez méditer cela matin et soir. Morning c'est and alors night. Que vous aurez du succès that's dans toutes you're vos entreprises. In all your mais ce qui retient Dieu, bien aimé, so c'est que God, ce livre que tu es en train de méditer là book that you are ne reading, doit pas s'arrêter aux yeux, it cannot just stop mais que ce livre là. But doit être dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche. Ça doit mouth. Sortir ici, ici dans ta bouche. Les amis, so friends, est-ce que la parole de Dieu est dans ta bouche? Do the word of God is in your mouth? Maman Lina, vous avez le Cameroun, vous l'avez. Naki Congo. Ok, un instant là. Bon, je vais faire l'embouteillage, accepter que je fasse là. Kuyambula ninkanda wa wansi kuwa vambana inua kuko. Kasi banzi la wo, mwini yefuku. Pasi wake iba yevanga bonso buwe na mamu masonu kwa muwawo. Kadibu naona tomu sanzi laku yebu naona tomu su. Otika buku ya mibeko oyo eka bwana na munoko na yote kanisa ka yango butuna moyi po obongisa nzela na yo ebongisa nzela na yo na bomo no mubimba. Amen. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, so beloved, kotika buku na bomo oyo eka bwana na munoko na yo. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Elle doit être ici. That need to be in your mouth. Je vous pose la question. I'm asking je you vous this pose question. La vraie question. The true vous dites question. Vous êtes enfant de Dieu. You're telling me you are a child est-ce of God. Est-ce que ta bouche, de ta bouche, you, chaque jour, mouth, every day, la parole de Dieu sort là? Can you tell est-ce me que de ta bouche, bien-aimé, la parole mouth, de Dieu sort de ta bouche? The word of God comes from your mouth every day. Est-ce que, bien-aimé, les gens qui t'environnent the people that are surrounding entendre de ta bouche la parole de Dieu. Listen the word of God. Si oui, if yes, où sont ceux-là qui entendent la parole de Dieu de ta bouche? Those people that are listening to the word of God, where are they? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in God. Le succès, the success, c'est quand on met en exécution ce que Dieu nous demande. It's when we are executing what God is en lisant ces textes, bien-aimés, when we're reading this la compréhension de ces textes, understanding of Josué 1:8 que nous aimons. Joshua, first, nous parlons souvent de succès, de réussite. We always ask, le résumé de Josué 1:8 resume of that book c'est dans la bouche. Is in your mouth. Le succès là, bien-aimé, que je suis en train de parler, we are talking about, c'est dans ta bouche. Quand tu seras en train de l'appliquer, when you are applying it, quand tu seras en train de parler when de you Dieu, are talking about God, quand les autres peuvent when entendre Dieu au travers de ta bouche, through your mouth, est-ce que de ta bouche, bien-aimé, les gens entendent Dieu? People listen God through ou est-ce que de ta bouche, les gens entendent seulement? Or maybe from your mouth, people are just listening. Le monsieur qu'on vient d'arrêter, c'est Daddy, Dadjo, c'est Dadjo. Les gens entendent seulement, hey, Dadjo, Dadjo, hey, ça,
C'est ce qui sort de nos bouches. This jours. Chaque jour. Every day. On parle des choses de ce monde, des choses de ce monde. We are just talking about the. Mais est-ce que de nos bouches sort la parole de Dieu? Do you really talk about? Est-ce qu'on travaille de ta bouche sort la parole de Dieu? I work. Do you? Est-ce que quand tu es avec tes amis en téléphone, bien aimé, est-ce que ça sort la parole de Dieu sort de ta bouche? You use the word of God. L'utilisation de ta bouche c'est pour cela. You use the mouth to spray the word of God. Hey, sans malambo et terme, et bim malambo no kola yo. Bisika nyo so qu'on entend parler de Dieu. People quand tu parles, c'est Dieu. Quand tu chantes, c'est Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est Dieu, bien-aimé. C'est alors que tu réussiras. You will be successful. Ah, je dois clore. Quatrième raison, on va prier. The fourth reason. De Samuel 23, verset 2. Second Samuel. De Samuel 23, verset 2. 20. Les amis, nous sommes à Punda toujours ça là. Ce qui bien aimé toi qu'en église, tu bondeli. Mes amis, nous connaissons, nous sommes à Zate. It's a wasting of time when we come to church and people don't even hear God from us. Because God will judge us. Because God will judge us. Because God. It's not because you will be a church for 100 years. Forgive me. God will not judge you for that. He will judge you because of your mouth. Did you use your mouth for God? Remember, when I told you last time, about the doctor, when someone is sick, le médecin regarde they la langue. Always take a look on the tongue. Est-ce que de ta langue, bien aimé, la parole coule? Do you from your tongue the word est-ce que of God tu parles de Dieu your, au travers de ta langue? Do you talk about God to your mouth? So les Nino, comment on appelle ça? Ceux qui obéteraient ma soloka ya. If it's not about comment on appelle ça? Le film est là de Nigeria là où on met ça. Bon. De Samuel 23 verset 2. La Bible dit ceci. 2 Samuel 23. On peut commencer le verset 1. Parole de Dieu, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. Écoutez cette parole. Ce n'est pas la parole de n'importe qui. On commence, c'est pour bien nous faire comprendre. On dit ceci. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Écoutez sa parole. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. C'est pourquoi, bien-aimés, nous chantons. We're singing. C'est pourquoi nous prêchons. We're preaching. Le psaume. The psalm. Ce que David dit là, c'est pas de la blague. It's not a joke. Le psaume là, c'est David. The psalms is David. C'est David. Et quand il dit, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, the c'est Spirit vrai. Of the Lord spoke through me. Les gens qui sont chrétiens, ils disent, « Je suis un chrétien, je suis un chrétien. » Quand vous entendez, le Christ dit, « Le Spirit parle par moi. » Et quand vous entendez, vous suivez ce qui vient après. C'est une lie. Mais à l'époque de David, but in David's quand quelqu'un time, s'est levé et dit, « L'Esprit de l'Éternel parle, parle à moi. » The Spirit of the Lord what comes after Isaiah solo. It's the truth. L'esprit il parle par moi et sa parole est sur ma langue. Est-ce que la parole de Dieu est sur ta langue? Sur ta langue. Do the word of God is in your tongue? Hein? Quand tu parles, est-ce que la parole when you talk, la parole sort de ta bouche? The word of God comes from your mouth. J'allais poser les questions aux chantres. Les chantres, est-ce que la parole est sur votre langue, la parole? Parce que vous avez imaginé, pensé, la parole, est-ce qu'elle est là, sur votre langue? Si tous les chantres, bien-aimés chrétiens, tenez compte de l'exemple de David. We won't see all those people singing about. Je ne vais pas dire sinon. Nonsense. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Can we all stand? Le monde aujourd'hui, bien-aimé, dans la bande, c'est bon. Il y a le yenge.
Where God is not in those songs, that's what people. Est-ce que les chants, l'esprit qu'avait David, c'est le même esprit que vous avez? You really have the same spirit chantres, as David. Les amis, vous qui me regardez de loin, you that are following posez la question from à tous ces chants que vous connaissez. Ask those people that are posez leur cette question. Ask them. Est-ce que ils ont le même esprit qu'avait they David. Have the same spirit, just est-ce like qu'ils David. Peuvent dire comme David aujourd'hui? They some say que like l'Esprit David, de l'Éternel parle par like moi. The spirit of et the sa Lord parole est me. Sur ma langue. And his word is on my tongue. Est-ce que quand il chante, vous sentez vraiment que c'est Dieu qui est you en train de parler? Really listen that God is the one who is coming out of the mouth. Le raison, bien-aimé, de nos langues, the reason of our tongues, c'est pour la gloire de Dieu. It's for God's glory. Le raison de nos langues, bien-aimé, c'est pour tongues, servir Dieu. It's to le raison de nos langues, bien-aimé, dans the le Seigneur, of our tongues, c'est pour parler de Dieu, témoigner Dieu. To testify and talk about God. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Can someone pray now? Est-ce que ta langue utilisée est vraiment utilisée comme il faut? Did you use your tongue the way it's supposed to? Ta langue est vraiment utilisée comme il faut? Est-ce que ta langue donne gloire à Dieu? Do your tongue give glory to God? Est-ce que ta langue sert Dieu? Do your tongue serve God? Le miel sort de ta bouche? Do honey comes from le your lait, mouth? Est-ce que le lait sort de ta bouche? Est-ce que ta langue bien-aimée chante pour Dieu? Do your tongue sing for God? Tu vois un chrétien venir à l'église. You see a Christian coming to church. Mais la voiture naillé. But in his car. À musique à mon cri. It's playing towards music in his car. Il y a des gens quand la côte là-bas voiture là-bas au moment là parce que faut qu'avant qu'on a mis côte là allons en allant parce que des barbelés comme sous soir là pourquoi on a eu un barbelé et mettre à la tête un jour. When I'm getting en retard, ils n'ont pas enlevé. La côte n'avait pas. Je ne veux pas dire. Nous avons demandé qu'on bête. But I get into someone's car. I est-ce heard que bien aimé, nos langues chantent Dieu. Do our tongues sing ou nos langues chantent le monde. Or maybe singing for the world. Est-ce que nos langues parlent de Dieu? Do our tongues speak for God? Nako salela na bomo na nganyonso na kolanda seyo kola lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo moko solo tokende soki mopepe mabe yawe kotala seyo nako simba kaka kombo na yo Yesu na eli elika nanga yawe nako zelonga na kombo na Kristo mokonzi. Est-ce que tu peux prier pour ta langue? Can you pray for your tongue? Si tu finis, est-ce que tu peux prier pour la langue de ta femme, de can ton you mari? Also pray for your si tu finis, est-ce tongue? Que tu peux prier pour la langue de ta mère, de ton père, de or tes frères, your de tes parents, soeurs? Or your siblings tongue? Si tu finis, est-ce que tu peux prier pour la langue de tes enfants? Can you pray les for enfants d'Amérique, leur langue, lorsqu'ils parlent. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, pour pray? La langue de ses frères, de ses sœurs, mais qui vient à l'église le dimanche, mais de sa bouche, il n'y a rien de Dieu. S'il te plaît, je te demande de prier. S'il y a une prière please. Que tu peux faire maintenant là, c'est cette now, prière. It's that prayer. Alors, fais de tout ton cœur. Seigneur, je prie pour ma langue. Alléluia. Que ma langue, oh Dieu, te donne gloire en tout temps. Je prie éternel, Dieu de grâce. Seigneur, que la langue de ma femme, de mes enfants, te donne gloire en tout temps, oh Dieu Tout-Puissant. Que la langue de mon frère, ma soeur, ici présent, Seigneur, te donne gloire. Seigneur, elle était mal utilisée.
On utilisait nos langues pour des fins de ce monde. On utilisait nos langues contrairement, Seigneur, à l'usage, à l'emploi, Seigneur. Seigneur, chaque chose a l'emploi. Hein, comment utiliser? On utilisait nos langues, Seigneur, contrairement à ta volonté. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, que nos langues soient utilisées pour ta gloire. Que de nos bouches sortent le miel, le lait. Alléluia. Que de nos langues, ô Dieu, des cantiques qui glorifient Dieu. Que de nos langues, Seigneur, sorte ta parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Je prie pour ce frère, ces sœurs qui nous suivent de loin. Seigneur, sa langue était utilisée pour mentir, pour maudire, pour tricher. Sa langue était utilisée pour les choses de ce monde. Aujourd'hui, Seigneur, que sa langue soit utilisée pour ta gloire. Ta gloire. Merci. Seigneur, nous voulons obéir à ta voix. God, we want to obey to your voice. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. We want to do your will. Seigneur, garde-nous pour que quand tu seras de retour, keep us for, come back. Que nos langues, ô Dieu, our tongues, soient, Seigneur, des langues qui vont glorifier encore ton nom pour l'éternité et non d'être condamnés pour le jugement. Seigneur, nous ne voulons pas vivre notre éternité dans l'enfer. In hell. Nous ne voulons pas vivre l'éternité dans des graissements des dents. Mais nous voulons vivre l'éternité avec toi. Parce que nos langues, ô Dieu, sur cette terre, étaient pour ta gloire. Bénis mon frère, ma soeur, à la sortie de ces lieux, Seigneur, que sa vie ne soit plus la même. To change. Parce que sa langue a changé. Au nom de Jésus-Christ. Has been changed. Amen. In the name of Jesus. Alléluia. Amen.